En préambule de la grande fête de la Saint-Patrick qui aura lieu à Luçon le samedi 16 mars prochain, l'association des commerçants luçonnais Cœur de Ville met en place à partir de lundi une semaine dite commerciale. Les commerces adhérents à l'association proposeront des réductions à leur clientèle, mais pas seulement. Nous avons prévu de faire un jeu vitrine à gagner où il y aura plusieurs lots donnés par les commerçants de l'association qui seront exposés dans la vitrine à côté du magasin Cache-Cache. Le but du jeu sera d'estimer au plus juste le prix de la vitrine et la personne qui aura le prix juste ou le plus juste, bien sûr, le plus près en dessous, comme dans le juste prix, remportera la vitrine. Un jeu sans obligation d'achat. Les commerces devraient également habiller leurs vitrines en vert et orange, les couleurs officielles de cette première fête de la Saint-Patrick, à laquelle Cœur de Ville souhaitait participer. C'est vraiment la seule façon qu'on avait de participer à l'ensemble de la vie associative qui s'est développée autour de cet événement, sans créer une animation qui coûte de l'argent, et donc en essayant d'apporter quelque chose sur toute la semaine. Ça va permettre de préparer un petit peu le samedi et le défilé du samedi, quoi. Et même si la soirée de la Saint-Patrick, avec ses musiques, ses danses et ses chants irlandais, se déroule au gymnase du Moulin Rouget, les commerçants vont profiter pleinement du défilé carnavalesque du samedi, qui partira à 17h de la piscine pour rejoindre le gymnase du Moulin Rouget en passant par les rues du centre-ville.